Un travailleur accidenté est congédié à la fin de son emploi subventionné et la population continue d'augmenter. En Abitibi, Témiscamingue. Bon midi, mesdames et messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. Vous savez, il est parfois difficile pour des accidentés du travail de trouver un emploi adéquat à leur situation. Et c'est pourquoi la Commission de la santé et de la sécurité au travail, la CSST, donne des subventions à certaines entreprises. Par contre, cette mesure peut parfois entraîner certains revers. On en parle avec Cindy Caouette. Cindy, c'est un homme qui a profité de cette subvention qui dénonce de la pratique de son ancien employeur. Oui. Joël Morissette est un accidenté du travail depuis 2008. Il fait partie de ces personnes qui ont profité d'une subvention de la CSST pour travailler aux ateliers Manutex de Rouyn-Noranda, un emploi qu'il a occupé pendant 8 mois avant d'être congédié. Mon plancher, c'est Manutech, au centre Couémont, sur la rue Marcel Barry. Et puis, j'ai travaillé là 8 mois. Puis, au bout du 8 mois, la subvention terminée, ils m'ont dit que je n'étais pas assez performant pour un gars non subventionné. Donc, ce qu'il déplore, c'est que l'employeur lui avait dit qu'il le garderait à l'emploi à la fin de la subvention, selon certaines conditions, ce qui, selon lui, n'a pas été respecté. Seulement, eux autres m'ont dit, comme j'ai dit tantôt, que si j'avais à faire plus que 3 coutures, je n'en faisais 5. Et puis, malheureusement, ceux qui restent là, c'est parce qu'ils sont subventionnés à l'année. Mais c'est parce qu'ils te font des belles promesses, puis au bout de la ligne, mais au bout de crayon, plus d'ouvrages, plus d'argent qui rentre. Mais Cindy, est-ce qu'une pratique comme ça, là, c'est courant? Bien, selon Joël Morissette, il y aurait plusieurs entreprises dans la région qui profitent de subventions qui agiraient de la sorte. Je ne suis pas seul, la CSST, qui sont placés à des places comme Manutech ou d'autres places. Et puis, au bout de la subvention, mais c'est malheureusement le cas où la subvention est terminée, où les employeurs en profitent, puis ils te mettent à la porte. Donc, j'ai parlé au directeur général de Manutex qui m'a confirmé que Joël Morissette n'est pas le seul à avoir subi le même sort parce que son rendement, en fait, ne permettait pas à l'entreprise de le garder à l'emploi. Je vais essayer d'avoir plus de détails pour vous ce soir. Bien, merci, Cindy. Je vous en prie. Au revoir.